Bonsoir, nous sommes le 17 mars 2021 et le numéro 281 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré Un an après le début de la pandémie, la catastrophe annoncée n'avait rien d'inévitable, c'est le résultat de la politique du gouvernement. En effet, c'est il y a un an, presque jour pour jour, que le gouvernement Macron a annoncé le premier confinement suite au développement de la pandémie, qui a été le début d'une année de mesures prises les unes après les autres, confinement, déconfinement, reconfinement, et peut-être ce soir, le gouvernement annoncera-t-il à nouveau d'autres mesures de ce type. Et la question qui est posée un an après, dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine, est-ce que cette catastrophe, il y a maintenant 2,5 millions de morts dans le monde, il y a plus de 2 000 morts par jour au Brésil et dans notre pays, plus de 91 000 victimes du Covid, on approche donc les 100 000 victimes, est-ce que cette catastrophe était inévitable, inéluctable? Ou bien est-elle le produit des mesures que le gouvernement a prises ou n'a pas prises, un gouvernement entièrement dévoué aux intérêts de la classe capitaliste? L'éditorial et l'ouverture de la Tribune des Travailleurs donnent à cette réponse une réponse, donnent à cette question une réponse sans équivoque. C'est la politique de ce gouvernement qui est responsable de cette catastrophe. Rappelez-vous, le gouvernement a annoncé, après avoir détruit des millions de masques, que le masque n'était pas nécessaire avant ensuite de le rendre obligatoire. Rappelez-vous du scandale des tests en nombre largement insuffisant, alors qu'ils auraient pu, de toute évidence, permettre d'identifier les personnes contaminées. Et puis plus récemment, le scandale de la vaccination, où le gouvernement Macron et la Commission européenne s'en sont remis intégralement aux grands laboratoires pharmaceutiques privés, après l'administration américaine qui avait évidemment raflé les doses en premier, et s'en remettant aux grands laboratoires pharmaceutiques privés, eh bien, le gouvernement Macron et la Commission européenne ont scientifiquement organisé la pénurie de vaccins pour tous ceux qui le souhaitent, qui se trouvent confrontés aujourd'hui à cette impossibilité de se faire vacciner dans des conditions par ailleurs où on vient d'apprendre que certains vaccins étaient peut-être remis en cause compte tenu du fait que les grands laboratoires pharmaceutiques privés ont passé des contrats avec la Commission européenne conformément aux règles du marché capitaliste, c'est-à-dire sans les rendre publics. Mais le scandale, c'est aussi les lits d'hôpitaux qui n'ont cessé d'être fermés. On le sait, 100 000 lits d'hôpitaux ont été fermés en France ces dernières années. Mais ce qui est encore plus scandaleux, pourrait-on dire, c'est que cette politique de fermeture des lits d'hôpitaux, de fermeture des services, elle continue depuis que la pandémie s'est répandue il y a un an. Et la Tribune des Travailleurs donne la parole cette semaine au syndicat CGT de l'hôpital de Sud-Seine-et-Marne, qui a envoyé une lettre à la presse que la Tribune des Travailleurs a publié bien volontiers, une lettre dans laquelle ce syndicat dénonce la situation dans cet hôpital, parmi des milliers d'autres hôpitaux, une situation dans laquelle on déprogramme à tour de bras les opérations, les actes chirurgicaux et médicaux qui étaient prévus parfois depuis des mois pour des patients qui souffrent, mais qui devront attendre parce que l'hôpital est saturé et débordé par l'afflux des malades du Covid. Un hôpital dans lequel, malgré cette situation sanitaire catastrophique, on continue à fermer des lits d'hôpitaux. Et à l'inverse de cette politique, le syndicat qui nous envoie cette lettre exige, je cite, la réouverture immédiate des 12 lits d'hospitalisation complète et des 4 lits d'hospitalisation de jour dans l'unité douleur, ainsi que des 12 lits de médecine, l'installation des 24 lits COVID-19 et des 4 bureaux d'hospitalisation à domicile sur les 30 lits vides des services de soins de suite, l'embauche de soignants contre la précarité, etc. Cette situation, qui est le produit de la politique du gouvernement et de tous ceux d'ailleurs qui l'ont précédé,
cette situation où, malgré l'afflux de malades, malgré les centaines de milliers d'opérations pour d'autres maladies qui devaient avoir lieu, on continue à fermer des lits et des services. Cette situation, elle n'est pas propre à cet hôpital de Seine-et-Marne. C'est aussi le cas à l'hôpital de Fourmies dans le Nord, où, en pleine pandémie, on apprend que le bloc opératoire et le service de chirurgie vont être purement et simplement fermés et transférés à une clinique privée à quelques kilomètres de là. Une véritable privatisation du service public de la santé. Et c'est une situation qui existe dans tous les hôpitaux, que dénoncent des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, dans la tribune des travailleurs, qui nous fait affirmer, oui, que cette catastrophe aurait pu être évitée. Parce que c'est aussi un autre anniversaire, comme le souligne l'éditorial de la tribune des travailleurs, qui est à l'ordre du jour ce 17 mars. Cet autre anniversaire, c'est l'anniversaire du vote unanime le 19 mars 2020, le vote unanime à l'Assemblée nationale de la proposition du gouvernement Macron d'attribuer 343 milliards d'euros aux entreprises et aux banques au nom de la lutte contre la crise économique et contre la pandémie, bien entendu. Un dossier est consacré à cet anniversaire dans la Tribune des Travailleurs cette semaine. Oui, c'est bien un vote à l'unanimité qui a eu lieu ce 19 mars 2020, des rangs des députés du Parti communiste français, de la France insoumise, du Parti socialiste, en passant par ceux de la droite et de la République en marche, jusqu'au banc des députés du Rassemblement national. Ils ont tous voté au nom de l'Union nationale contre la pandémie et la crise. Somme gigantesque de 343 milliards d'euros qui sont devenus depuis 560 milliards, attribués soit sous forme d'aides directes aux entreprises, soit sous forme de prêts garantis par l'État aux banques, qui ensuite prêtent aux entreprises, et les banques, bien entendu, prêtent de l'argent aux entreprises en exigeant un retour sur investissement, c'est-à-dire en exigeant que ces entreprises soient plus rentables. Et c'est pourquoi cet argent, il a en particulier servi, comme le disent cette semaine dans la tribune des travailleurs de chez Renault, qui a reçu près de 5 milliards d'euros, des travailleurs d'Air France, qui a reçu 7 milliards d'euros, des travailleurs d'Aéroports de Paris, expliquent comment ces sommes gigantesques qui ont été allouées aux banques et aux entreprises ont servi ensuite à justifier les plans de licenciement, les plans de dégraissage, comme disent les patrons, pour que les entreprises bénéficiaires de ces prêts garantis par l'État puissent devenir plus rentables en se séparant de milliers et de milliers de salariés. Alors, comme le souligne l'éditorial cette semaine, en bas, au niveau des travailleurs, dans les entreprises, mais aussi dans les localités, les travailleurs sont unis pour exiger les moyens de se protéger face à la maladie, unis pour exiger de pouvoir continuer à faire vivre leur famille en maintenant son emploi, en n'étant pas licencié. Mais en haut, ce qui domine, c'est l'union sacrée avec le gouvernement Macron. Et il est évident que cette union sacrée, elle se heurte de plus en plus à la volonté de plus en plus large dans la population et parmi les travailleurs de pouvoir vivre. Et c'est pourquoi l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine pose la question dans les termes suivants. L'heure est grave. Ou bien l'union sacrée avec Macron se prolonge et le gouvernement aura les mains libres pour continuer son œuvre de destruction, ou bien la réalisation de l'unité de bas en haut et de haut en bas brisera l'union sacrée. Alors Macron sera balayé et sa politique avec lui. En finir avec Macron, avec sa politique, avec toutes les mesures qui en découlent, c'était la question qui était au centre de la rencontre nationale de délégués, de militants, de travailleurs, qui s'est réunie samedi 13 mars, pour des raisons qui tiennent à la situation sanitaire. Cette rencontre a eu lieu sous forme de visioconférence et près de 300 travailleurs, militants syndicaux de différentes affiliations, militants politiques de la France insoumise, du Parti communiste, du Parti ouvrier indépendant démocratique et d'autres affiliations politiques, parfois suivant la conférence en groupe
derrière leur ordinateur, près de 300 travailleurs militants délégués de regroupements constitués notamment dans les entreprises autour de l'appel « Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux », un appel qui a été signé ces dernières semaines par près de 10 000 travailleurs et jeunes dans tout le pays. Ces délégués se sont rassemblés et ont débattu samedi 13 mars et ce numéro 281 de la Tribune des travailleurs en rend compte largement. Comment se débarrasser de Macron et de sa politique? Comment se regrouper pour surmonter les obstacles auxquels les travailleurs sont confrontés? C'était les questions qui étaient au centre de la discussion de ce 13 mars. Et nous y avons notamment entendu ce délégué syndical Force ouvrière d'Aéroports de Paris, faisant état de la mobilisation dans son secteur contre les licenciements et notamment l'appel à une mobilisation dans l'unité le 18 mars lancé par les organisations syndicales, évoquait le fait que Clémentine Autain, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, appelle à la mobilisation du 18 mars, dénonçant à juste titre l'attribution des 7 milliards d'euros de prêts à Air France, tout en revendiquant la reconversion professionnelle des salariés. Cela ne manquera pas d'étonner les collègues qui, eux, cherchent les voies de l'unité contre les licenciements et pas la reconversion de leurs emplois, explique ce délégué syndical d'Aéroports de Paris. Mais parmi les interventions, on a également entendu plusieurs délégués syndicaux de Sanofi, hein, cette entreprise qui pourrait, si elle était réquisitionnée aujourd'hui, produire des vaccins contre le Covid, mais qui organise le licenciement de ses employés, en particulier dans les services de recherche. Cette militante CGT de Sanofi, faisant état de la mobilisation en cours contre les licenciements, mais qui note au passage, ce n'est pas avec des manifestations du type marche funèbre comme la semaine dernière, sans même revendiquer le maintien des postes, des sites, des axes de recherche, qu'on va s'en sortir. Ou encore ce délégué syndical d'IKEA, qui constate, depuis 15 ans que je travaille, les droits des salariés sont vidés peu à peu de leur substance, tantôt par la droite, tantôt par la gauche. Les patrons en profitent à la moindre occasion, comme le Covid, pour nous soumettre par la force à leur dictat. Ou encore cette assistante d'élèves en situation de handicap, c'est AESH qui, comme des dizaines de milliers de ses collègues, se mobilise ces derniers temps avec les organisations syndicales pour exiger un vrai salaire et un vrai statut, expliquer au nom du regroupement de ses collègues qui l'ont délégué à cette rencontre, qu'ils sont engagés à préparer la vraie grève pour l'arrêt de la précarité, ou encore ce représentant d'un comité local regroupant les organisations de la ville, du POID, du Parti communiste, de la France insoumise, expliquer la chose suivante. L'unité qu'on a réalisée ici, on peut l'obtenir au niveau du département, on devrait l'obtenir au plan national, c'est ce qu'il faut. Et encore des délégués de regroupement de travailleurs, par exemple à la ville de Paris, qui ont expliqué comment ils ont été amenés contre la mise en œuvre par la municipalité de gauche, de Madame Hidalgo, PS, PCF, Vert, à comment dire, constituer un comité de préparation à la grève contre l'application par cette municipalité de la loi Macron-Dussault qui veut contraindre les travailleurs de la fonction publique territoriale à travailler 1607 heures par an, c'est-à-dire de renoncer parfois à 10 à 15 jours de congé. Et ce camarade expliquant notamment qu'un comité de préparation à la grève avait été mis en place, dit-il, car nous sommes prêts à aller à la grève jusqu'à satisfaction. L'intersyndicale a pris position contre toute augmentation du temps de travail, mais à ce stade, elle n'a pas appelé à la grève jusqu'à satisfaction. La municipalité est censée être de gauche. Comment comprendre que sa réponse soit « il faut appliquer la loi Dussault » Et on a aussi entendu une inspectrice du travail de Strasbourg expliquant que les journées d'action ne permettent pas d'obtenir satisfaction sur les revendications, mais citant l'exemple de la mobilisation unie des salariés de l'inspection du travail avec leurs organisations syndicales qui a contraint la direction à reculer sur un projet de déménagement et de remise en cause des droits des agents, elle conclut « si à petite échelle c'est possible, alors ce doit être possible à grande échelle ». L'unité des agents a imposé un recul au préfet. L'unité des travailleurs avec leurs organisations doit permettre de mettre le gouvernement Macron en échec. Il y avait dans cette rencontre des militants de toutes tendances, du Parti communiste, de la France insoumise, du Parti ouvrier indépendant démocratique. Ils se sont exprimés comme ce camarade du POID qui a rappelé qu'il y a dans ce pays une majorité qui ne veut pas de Macron. La question qui se pose évidemment est pourquoi faudrait-il attendre 2022? On l'entend dans cette rencontre.
Dans chaque grève, dans chaque revendication, dans chaque mobilisation particulière, ce qui s'exprime, c'est un segment du mouvement d'ensemble qui veut chasser Macron et sa politique. En bas, nous le savons, l'unité existe entre nous, quels que soient les syndicats et les appartenances politiques. En bas, parmi les millions et les millions, il y a une unité, et comme l'a dit en même temps le camarade d'IKEA que je citais il y a quelques instants, malheureusement, au sommet, quand la droite et la gauche se succèdent, c'est tout souvent la même politique. Eh bien, conclut ce camarade du POID, il faudra bien arriver à dépasser ce problème, il faudra bien arriver à le surmonter. On le voit, cette rencontre nationale était, c'est le bilan qu'en tire la Tribune des travailleurs, une étape importante vers l'unité ouvrière qui dégagera Macron. Cette rencontre nationale a permis de donner la parole à de nombreux salariés de tous les secteurs professionnels qui sont confrontés à la politique du gouvernement, qu'il s'agisse des salariés de la culture et du spectacle qui aujourd'hui occupent de nombreux théâtres, qu'il s'agisse des étudiants qui étaient présents dans cette rencontre, expliquant le combat difficile qu'ils mènent pour la réouverture des universités avec toutes les conditions sanitaires, pour un plan d'urgence permettant qu'on en finisse avec cette situation où les étudiants, comme ils l'ont dit dans les rassemblements convoqués hier, sont menacés par la faim, en particulier dans les cités universitaires où, privés de leur petit job, privés de cours, privés de travail d'appoint, les étudiants sont aujourd'hui confrontés à la faim. Et donc, cette rencontre nationale a été une étape importante dans le regroupement des travailleurs, des militants qui, dans les entreprises, considèrent qu'il est urgent de se grouper pour en finir avec Macron et sa politique et donc pour réaliser les conditions de l'unité localement et nationalement pour mettre cette politique en échec. En particulier, on a vu ces ouvriers d'une usine d'Eure-et-Loir qui participaient à plusieurs derrière leur ordinateur à cette conférence, affirmer que, à partir de leur expérience dans la lutte de leur usine, ils ont constaté, comme ils l'ont dit, qu'un petit groupe ouvrier peut faire beaucoup. Si plusieurs groupes ouvriers se lient entre eux, tout est possible, y compris chasser Macron. Et c'est le sentiment partagé par beaucoup de travailleurs et militants qui participaient à cette rencontre, qui s'exprime à travers cette intervention. Dans la Tribune des travailleurs cette semaine, et cela correspond à ce que l'on a entendu dans la rencontre nationale du 13 mars, comme chaque semaine, de nombreux comptes rendus de luttes de classe, de grèves, qui ont lieu en ce moment dans tout le pays et dans de nombreux secteurs, dans l'éducation nationale, dans le secteur de la culture, dans le secteur de la poste ou dans les grands magasins ou les hôtels de luxe. Vous le lirez cette semaine dans le journal, comme vous lirez nos articles consacrés à l'examen du projet de loi sur la sécurité globale, projet de loi menaçant les libertés démocratiques dans la continuité de nombreuses mesures prises depuis plusieurs années par le gouvernement Macron contre les libertés démocratiques. Dans le journal cette semaine, également l'actualité internationale. Vous le savez, la Tribune des travailleurs, dans le cadre du Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation pour l'internationale ouvrière, s'appuie sur un nombre important de correspondants, militants ouvriers correspondants de notre journal dans de nombreux pays. Et cette semaine, vous lirez en particulier dans la Tribune des travailleurs des correspondances rendant compte de la façon dont le Parlement européen, cet instrument des institutions européennes, vient de se faire le complice de la monarchie espagnole héritée de la dictature de Franco, puisqu'elle a levé l'immunité parlementaire de 3 eurodéputés catalans pour les livrer à la justice, avec des guillemets, de la monarchie espagnole, où ils sont menacés de nombreuses années de prison. Vous lirez les correspondances de nos camarades en Inde qui racontent comment, cette semaine, la grève générale des travailleurs du secteur des banques menacés de privatisation par le gouvernement a fait la jonction avec la mobilisation de centaines de milliers de paysans qui durent depuis des mois. Vous lirez à Hong Kong la répression qui frappe les militants syndicaux. Vous lirez au Sénégal, les raisons de la révolte de la jeunesse à laquelle nous avons assisté la semaine dernière. Vous lirez la situation des femmes travailleuses au Maroc qui se regroupent contre l'exploitation dont elles sont victimes, ou encore la situation au Brésil où le produit de la politique de l'ignoble Bolsonaro aboutit aujourd'hui à plus de 2000 morts chaque jour
du Covid, et en particulier dans les favelas, en particulier dans les quartiers ouvriers et populaires. Mais quelques mots particuliers sur deux sujets qui sont traités de l'actualité internationale dans la Tribune des travailleurs cette semaine. Le premier, en particulier s'appuyant sur les témoignages des militants ouvriers des États-Unis, c'est l'adoption par la Chambre des représentants et le Sénat du fameux plan de relance de Joe Biden, un plan de relance d'un montant de 1 900 milliards de dollars, des sommes gigantesques, dont toute la presse nous dit que c'est formidable, ce sont des sommes gigantesques qui vont être utilisées pour permettre à tous les Américains de pouvoir se faire vacciner, qu'il y a dedans y compris un chèque de 1 400 dollars attribué à chaque citoyen américain qui vont lui permettre de faire face à la situation de crise économique qui, aux États-Unis, a jeté au chômage ces derniers mois des dizaines de millions de travailleurs, tandis que des dizaines de milliers d'autres étaient expulsés de leur logement et que le nombre de victimes du Covid, en particulier dans la population noire, en particulier parmi les travailleurs, a fait 500 000 morts. Eh bien, la Tribune des travailleurs, et c'est son rôle, aide à démêler le vrai du faux. 1 900 milliards de dollars donnés par Biden pour le bien de la population américaine, pour le bien des travailleurs américains, c'est bien plus compliqué que cela. Par exemple, ce fameux chèque de 1 400 dollars donné à chaque Américain, dans une situation où, comme le rappelle un militant ouvrier des États-Unis, un loyer mensuel d'un studio dans la banlieue populaire de Los Angeles coûte 1 800 dollars. Ce fameux chèque, eh bien, il va en réalité être une aide très, très, très limitée et très, très, très temporaire pour des dizaines de millions de travailleurs qui ont perdu tous les mois toute possibilité de survivre avec un salaire. En particulier, ces chèques vont d'abord et avant tout servir à de nombreux travailleurs à rembourser leurs dettes, c'est-à-dire que cet argent débloqué par Biden va très, très rapidement venir alimenter et engraisser les coffres des banques et des spéculateurs de Wall Street. Mais la Tribune des travailleurs rappelle également que l'une des mesures phares sociales, la seule que Biden avait annoncée dans ce plan de relance, à savoir l'instauration d'un salaire minimum de 15 dollars de l'heure, le salaire minimum aux États-Unis est actuellement de 7,25 dollars, cette promesse donc d'un salaire minimum de 15 dollars de l'heure, eh bien, il n'a pas fallu plus de quelques jours pour que, dans le mécanisme parlementaire d'adoption du plan de relance, cette promesse soit définitivement enterrée par le Sénat, avec l'assentiment non seulement de Joe Biden, mais aussi celui de Bernie Sanders, le sénateur qui représente, paraît-il, la gauche du Parti démocrate, et qui était à l'origine de cette proposition et qui a accepté avec Biden qu'elle soit passée à la trappe, ce qui fait que ces 1 900 milliards de dollars, ils servent d'abord et avant tout à engraisser Wall Street et les grands capitalistes aux États-Unis, tout comme lorsque cela a été voté en France le 19 mars à l'Assemblée nationale, les 343 milliards devenus 560 milliards ont bénéficié exclusivement aux grands patrons et aux banquiers dans notre pays. Également dans l'actualité internationale, la situation en Algérie. Les travailleurs en Algérie, les masses populaires, la jeunesse, continuent à manifester dans des marches impressionnantes qui ont lieu le vendredi, le mardi pour les étudiants, continuant, comme ils le font depuis 2 ans et malgré quelques mois d'interruption, à exiger le départ du système, le départ du régime, et également un mouvement qui est nourri par les multiples grèves ouvrières et mobilisations populaires qui se développent dans le pays depuis des mois. Il n'y a pas, disent nos correspondants d'Algérie dans la Tribune des travailleurs, il n'y a pas de muraille de Chine entre les aspirations sociales des travailleurs, les revendications sociales et les revendications démocratiques pour en finir avec ce régime qui passera, disent nos correspondants, par la convocation d'une assemblée constituante souveraine permettant au peuple algérien, aux travailleurs, de définir la nature et le contenu des institutions correspondant à leurs aspirations. Alors,
Vous lirez tout cela dans La Tribune des travailleurs. Et bien entendu, ce sont autant d'arguments pour s'abonner à La Tribune des travailleurs, pour diffuser ce journal. Personne ne sait la nature des mesures qui seront annoncées ou pas par le gouvernement, un gouvernement qui est aujourd'hui amené probablement à s'orienter vers un nouveau confinement parce qu'il a renoncé à toute mesure réelle de protection de la population et a aggravé la politique de démantèlement des hôpitaux, de fermeture de lits depuis un an. Nul ne sait ce que sera la situation dans les jours qui viennent. Une chose est certaine, La Tribune des travailleurs continuera à vivre et à n'exister que par le soutien que lui apportent ses lecteurs. Que lui apportent ses lecteurs en s'abonnant, vous êtes nombreux à choisir de vous abonner. Certains ne nous connaissaient pas il y a encore quelques jours et décident de sortir un billet de 10 euros en soutien à la presse ouvrière. Nous vous invitons à vous abonner, vous pouvez le faire sur le site internet de la Tribune des travailleurs où est diffusée cette présentation. Et la Tribune des travailleurs continuera à être diffusée dans les conditions qui nous seront imposées, de la main à la main, dans les porte-à-porte, dans les cités populaires, sur les marchés, à la porte des entreprises. Et je le disais, nous sommes le 17 mars. Demain sera le 150e anniversaire d'une date majeure dans l'histoire du mouvement ouvrier. Demain sera le 150e anniversaire du 18 mars 1871, date de proclamation de la Commune de Paris, le premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Un gouvernement ouvrier qui, sur une très courte période de 72 jours, et dans une étendue géographique limitée, celle de la ville de Paris, la Commune de Paris qui, en 72 jours, a pris les mesures de sauvegarde de la population travailleuse qui s'imposait. La Commune de Paris qui a réquisitionné les entreprises abandonnées par leurs patrons pour les remettre entre les mains de leurs ouvriers. La Commune de Paris qui a interdit le travail de nuit pour les catégories qui y étaient contraintes. La Commune qui a réquisitionné les logements vides pour les attribuer aux familles ouvrières qui avaient besoin de se loger, qui a remisé les loyers en retard, qui a limité la journée de travail à 8 heures. La Commune de Paris qui a instauré l'instruction publique laïque, gratuite et obligatoire pour les garçons et les filles, qui a établi par la loi l'égalité juridique entre femmes et hommes. La Commune de Paris qui, le 22 mars 1871, a proclamé que son gouvernement serait composé de délégués élus, mandatés et révocables à tout instant par la population, permettant un véritable contrôle démocratique par les travailleurs de leur propre gouvernement. Eh bien, ce 150e anniversaire de la Commune de Paris, 18 mars 1871, pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, ce n'est pas d'abord une question historique. C'est d'abord et avant tout une question d'actualité. C'est l'actualité d'un gouvernement au service de l'immense majorité qui travaille contre les intérêts de la petite minorité d'exploiteurs. C'est l'actualité de mesures en faveur exclusive de la classe ouvrière, des couches opprimées qui ont besoin d'un gouvernement qui gouverne exclusivement pour leurs intérêts. Nous ne commémorerons pas la Commune de Paris comme va le faire Madame Hidalgo, maire de Paris, qui a annoncé à la tête de sa municipalité PS-PCF-EELV, qui a annoncé qu'elle va exposer dans Paris des silhouettes de communards au même moment où elle cherche à imposer aux 60 000 agents de la ville de Paris l'application de la loi Macron-Dussault qui contraint les travailleurs de la ville de Paris à travailler 8 jours de plus par an qu'ils ne le font jusqu'à présent. Le Parti ouvrier indépendant démocratique appelle ses adhérents, appelle ses sympathisants, appelle les lecteurs de la Tribune des travailleurs à se rassembler et à manifester samedi 20 mars à 10h, place Gambetta à Paris, métro Gambetta. Bien entendu, s'il s'avérait demain que des mesures rendent cette manifestation impossible, nous vous en informerons sur le site de la Tribune des travailleurs. Mais pour le moment, cette manifestation qui a été autorisée est convoquée samedi 20 mars à 10h, place Gambetta, dans le respect bien entendu de toutes les règles sanitaires en vigueur. Et nous vous appelons à vous rassembler nombreux, non pas pour commémorer un événement qui relèverait d'un lointain passé historique, mais pour affirmer l'actualité d'un gouvernement ouvrier
que comme celui de la Commune de Paris. Nous vous appelons donc à vous rassembler nombreux derrière les drapeaux rouges de la Commune, le drapeau de la République universelle pour laquelle combattait la Commune, derrière les portraits des communards, Louise Michel, Nathalie Lemel, Elisabeth Dimitrieff, Jules Vallès, Eugène Varlin, Léo Frankel, ce Hongrois qui fut ministre du Travail de la Commune et qui déclarait « Je n'ai ici à accepter d'autres mandats que celui de défendre la classe ouvrière ». Nous défilerons pour le gouvernement ouvrier hier et aujourd'hui, samedi 20 mars à 10h. Venez nombreux, il n'y a plus tellement d'occasions de manifester ces derniers temps avec toutes les contraintes et les restrictions imposées par le gouvernement. Ce samedi 20 mars, n'hésitez pas à inviter largement vos amis, vos voisins, vos parents, vos camarades de syndicats. La Commune de Paris est l'héritage commun à tout mouvement ouvrier. Le Parti ouvrier indépendant démocratique lui rendra hommage en manifestant le 20 mars à proximité du cimetière du Père-Lachaise. Et ce sera l'occasion de poursuivre le combat pour le gouvernement ouvrier, pour en finir avec Macron et sa politique, pour les mesures d'urgence qu'appelle la situation. À samedi 20 mars, 10h, métro Gambetta, place Gambetta, et vive la Commune.